RTE est adhérent du pôle énergie depuis de nombreuses années. C'est en effet important pour nous d'être un acteur de la transition énergétique et du développement économique de la région Hauts-de-France. On a travaillé donc dernièrement avec le pôle énergie sur l'hydrogène vert. L'hydrogène vert est en effet en train de se développer sur notre région. Ça fait partie même de ses objectifs. Et donc, Pôle Énergie avait réalisé ces derniers temps une étude sur justement le développement de l'hydrogène dans la région. Et donc, on a travaillé ensemble pour bien définir finalement quels allaient être les besoins électriques nécessaires pour développer cette nouvelle molécule qui servira demain, rappelons-le, à décarboner l'industrie, à être utilisée dans les transports, pour les trains, les avions ou les bateaux.